Non. You? You? Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Biomutant. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bienvenue dans Biomutant. Comme il le dit. Donc, on est parti pour la suite de la continuité en fait. Bon, je vais essayer de mieux jouer. Depuis que j'ai tourné mercredi, donc le dernier épisode, enfin le premier épisode quoi, le dernier en date, je n'ai pas joué de, donc j'ai pas pu m'entraîner à combattre. Je pense que je vais y rejouer en off. Pas continuer l'histoire, mais fouiller les villes, surtout comment elle s'appelait je sais plus. La première ville qu'on a rencontrée en fait. Je vais continuer, je vais voir pour la découvrir complètement. Pardon, excusez-moi. Je vais m'entraîner à combattre. Fallait que je claque ma super, mais bon, c'est pas grave. Dévier les coups, enfin, protéger au bon moment. Alors, on devait aller par là. On devait aller voir Gizmo. Souvenez-vous, Gizmo, c'était celui qui fabriquait des choses. On était petit. Donc, qu'est-ce que c'est? ceci est une biquette, une proie facile pour Lupin Lupin. Pour tous les autres, c'est une monture parfaite qui s'apprivoise facilement. Du moment qu'on les nourrit. Ramasser graines. Pour la biquette. Ça, vous avez trouvé une plante. Un bout de graines. Glissez en dessous pour récupérer ces précieuses graines qui serviront à apprivoiser la monture sauvage. Alors. D'accord. D'accord. Là, je fais interagir. Je lui ai donné la boost graine. Et maintenant, je peux monter. C'est devenu mon ami. Alors, vous pouvez vous déplacer et tirer quand vous chevauchez votre monture. Pardon. Qui vous attendra sagement sur place. Quand vous en descendrez, les montures acquises apparaissent dans les emplacements disponibles du transport. Sauf celle que vous avez sélectionnée pour apparaître dans l'emplacement supérieur. Pour rappeler la dernière monture,
Et à vos pièges. Voilà, maintenant on a une monture. Votre monture a l'air de vous apprécier. Ah bah en plus. Un totem de ressources. Un monument laissé par ceux qui ramassent le récup pour garder la zone propre. Ouais, la caméra c'est... Vous avez trouvé un totem de récup. Rappelez-le de toutes vos forces. Pour en extraire des matériaux permettant de fabriquer des armes. Génial, du récup en bois d'écorce, rien que pour vous. Fallait le péter, fallait le casser. J'ai dû le récupérer. Allez. Ouais, je dis direct, ils savent ce qui vous plaît, hein. Hein? Qu'est-ce donc ça? Fermez à clé, aucun doute là-dessus. Il faut une clé. Il va vous falloir une clé, je crois. Ah, je peux même pas utiliser mon pied de biche. Même plus comment il l'appelle. Passe le tour. Dans les temps passés, le panneau avait surtout des messages de ceux qui travaillaient au parc Hachou. Maintenant, ils sont incompréhensibles. Pas grand-chose à dire sur le panneau, mais Gizmo se terre dans le sous-parc, à travailler sur son Mecton. Toxanol faisait partir des chouchous d'ici. Des machines énormes sur rail, avec des cheminées qui souillaient l'air. Ils peuvent vous emmener où vous voulez. Enfin, jusque là où ils s'arrêtent. Après, ce sera à patte. Vous êtes sur la bonne piste. Continuez à chercher. C'est moi, hein, je suis en train d'appuyer sur les boutons. Chaque jour est une nouvelle chance d'accomplir votre destin. Je savais que ça avait l'air bizarre. Waouh, les meubles ils sont écroulés. On va essayer de trouver un endroit pour monter. Hein. Module incendiaire. Allez, je regarde vite fait là. Oh là là! Vous avez vu? Il y a un gros pabo. Cette boîte en fer était attachée à une loco avant, mais elle a déraillé pour toujours. Voilà. Thank you.
cheval. Les tribus passent leur temps à chercher du récup, et cet endroit n'en manque pas. Mais qui leur a donné l'idée de faire mumuse avec des fuse-bombes? Ce bombélier est occupé à boum-boumer la porte. C'est maintenant ou jamais. Oula! J'avais pas vu qu'il y avait tous ses copains. Bouge, 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 bouge! Oulala! Qu'ai-je donc fait? Condition quasi terminale. Avalanche de plomb. Coupé, tranché, servé. Oh, oh, je vais mourir. Ah. Ah. Bonne santé. Joli coup. Ça c'est fait. On va se remettre de la vie. Ça fait moins mal. Vous êtes encore en vie. Voilà. Oula.
c'était dangereux. Non, la bombe ne pète pas. Ok. Pour ramasser des trucs sur les ennemis. Non. Là, rien. Là. Un petit pipi. Voyons voir. Oui, c'est vrai que je suis pas très fort. Je débute, on peut dire. Il y a plus personne. Contrôlez votre destin, ou quelqu'un d'autre le fera pour vous. Oui, rien n'est impossible. Le ciel est votre domaine. Allons, ça suffit maintenant. Reposez les pattes sur terre. Ouch! Wow, quel as du pilotage! C'est ce qu'on appelle un atterrissage explosif. Il y a des trucs. Non, il n'y a pas des trucs. Quand je l'ai vu partir avec la fusée, je me suis dit oula. Burke, c'est immonde. Regardez où vous mettez les pieds. Ouais, c'est du bio. Je sais pas comment ils appellent ça. Biomutagène. Ça, c'était bio. Alors. C'est un miracle que certains de ces bases en haut fonctionnent encore. À croire que les machines étaient plus solides à l'époque. Le combustible nucléaire épuisé que Toxanol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous-salins, tandis que les décharges débordantes ont contaminé la Doucine. Ces deux phénomènes conjugués n'ont fait qu'accélérer l'inexorable perte de leur monde. J'ai gargé. Il me reste un point. Si, j'ai utilisé les points. Dans quoi je vais monter? C'est plutôt pas mal. La grande histoire n'est qu'une succession de petites histoires. Il faudrait que je révise mon Wando, mais si j'ai bien compris, il pense que c'est vous qui avez fait le bang au parc Hachou. Oh, et il dit vous connaître. Vous l'appeliez Gizmo à l'époque. Il vous a appris à transcycler de ses propres mains, quoique ses mains étaient plutôt sales. Gizmo garde un bon souvenir de votre enfance et sent que votre cœur est toujours bienveillant.
Cependant, Gizmo dit que les souvenirs ne reflètent pas toujours la réalité. Même si vous connaissez l'histoire, parfois, la vérité revêt une teinte personnelle. Il espère que vous vous rappelez la fois où il vous a appris à transcycler, et que cela vous a bien servi pendant toutes ces années. Gizmo dit qu'il a aussi des souvenances des temps anciens, mais contrairement à vous, il ne songe pas au passé, car il est révolu. Il comprend que les actes de Lupin Lupin forment une part importante de votre passé, votre présent et bientôt votre avenir. Il croit toujours qu'il y a du bon en chacun d'entre nous. Vous avez encore de l'espoir pour les lendemains. Il dit que vous devriez savoir que la destinée est inéluctable, mais le passé ne devrait pas vous dévorer pour autant. Gizmo comprend l'intensité de vos émotions, mais vous conseille de tempérer vos ardeurs. Vous avez vu de vos propres yeux où cela peut mener. Oui, c'est la bonne décision, sans conteste. Par contre, là, je sais pas si c'est lui, si je dois répondre à ce que Ténébreux vient de dire ou si c'est Gizmo. Je veux pas être aveugle du tout. Pas plus mal. Parfois, ton instinct se trompe sur toute la ligne. Ne doute jamais de toi. Personne n'arrive à ta cheville. Même les ténèbres savent que tu vaux mieux que ça. Reste avec moi. Ensemble. Nous dominerons le monde. Aimerais savoir s'il vous arrive de douter des choix que vous avez faits pour arriver jusqu'ici. Auriez-vous préféré prendre une autre direction? Suppose que c'est ce que chacun d'entre nous peut faire de mieux. Difficile de croire que le monde va vraiment survivre. Cela semblait impossible jusqu'à aujourd'hui. Se réjouis de vous revoir ici et de faire tout votre possible pour changer le cours des choses. Vous étiez leur seule chance. Se demande si vous avez apprécié de collaborer avec les Myriades. Ils semblent toujours si stables et curieux. Se dit que c'est le cas de tout le monde. Il semble étrangement s'évertuer à les trouver. Mais ce n'est pas important pour l'instant. Gizmo dit qu'il a fallu du temps pour arriver jusqu'ici, et que c'est à vous de décider de la prochaine étape. Vous devez oublier le passé, du moins pour l'instant. Il ne peut pas quitter le sous-parc. Et ne dispose d'aucune protection contre le vide de la zone morte. C'est donc vous qui devrez rassembler du récup pour transcycler le Mecton en commençant par la vieille caisse à l'extérieur. Vous devriez revenir quand vous aurez assez de récup en poche, et si vous voulez renforcer le Mecton avant d'affronter le Gigapouf, il faudra faire vite. C'est la région qui a le plus souffert de l'apocalypse. L'oxygène y est très rare, et seules les créatures les plus perverties par la contamination peuvent y vivre.
Là, il y a quelque chose. Vous avez découvert une zone dangereuse, de vastes étendues, contaminée par une suspension. Pour vous tuer, restez trop long. Exact. Il existe des effets d'environnement. Peut-être contaminé, créé. Si vous voulez changer le cours des choses, vous devez appréhender toute la gravité de la situation. Ah oui, au fait, si vous entendez du bruit, des bruits de grondement dans mon retour casque, normalement ça devrait pas être possible, mais bon, moi je les entends, donc je me dis on sait jamais. Par chez moi, il y a un rallye qui se déroule et il y a des voitures de rallye qui passent devant chez moi. Et donc, voilà. Ouais, ça va plutôt vite. Ils descendent, moi j'ai toujours l'impression qu'ils parlent. On respire mal. L'air est chargé de mort et de malheur. Faites attention, qui respire à moitié est déjà à moitié mort. Ouais, mais je vais pas pouvoir y aller. Trouver un moyen d'aller dans les ruines. Que faire? Voilà la vestirelique que vous cherchez. Ah. Vous avez les oreilles bouchées ? Il est quelque chose. Il est loin ? Elle a l'air loin. Lumière. La porte est coincée. Là-bas, bio mutant, pas du bio. C'est plus difficile que ça en a l'air. Je vais clamser. Un danger biologique. Je suis mort. Dernier point de passage. Super.
Bah, je sais pas en fait. Tu verras bien quand il y aura une voiture qui passe. Oh non, que tu dis ça. Non, non, non. Je pense pas rager dans ce jeu. Il est pas fait pour ça, donc je vois pas pourquoi je devrais rager dessus. Le monde paraît bien plus petit sous terre. Ah d'accord, je dois trouver. Le bio machin, non. N'approchez pas de ce danger biologique. Vous aurez besoin de vous nettoyer pendant un mois complet, sinon. Voilà. Vous avez trouvé une boîte de composants mecton. Trouve ce genre de boîte un peu partout. Elles contiennent des composants permettant de personnaliser votre mecton. Et où? Ah. La boîte à mecton. Ok. Et. Et. Waouh. On va construire un Gundam. Alors. Waouh! Ça grimpe. Toujours regarder sous le fauteuil. Ça fait mal. Ah, ça m'a fait revenir ici, d'accord. Oh, il est là! Le Gundam! Le mecton! Bonjour! Que ça suffira à finaliser le mecton. Il faudra se passer de blindage et de réserves d'oxygène suffisantes. Mais vous aurez un moteur, un trempe carburant, un canon et un filet de collecte. C'est une invention qui récupère des ressources à même le sol. Souvent, on trouve des choses sous les flaques de glou. Et c'est là que le filet vous sera utile. Il planche sur un autre projet pour le Mecton, un canon. Mais pour ça, il a besoin de munitions. Et par munitions, il veut dire des squips. D'après lui, s'ils sont bien dressés, ils vous permettront de distraire le gigapouf. Le meilleur moyen de trouver des squips, c'est d'aller voir Moog. Il sait tout sur les êtres vivants qui ont survécu à l'apocalypse. Hélas, ça veut dire que vous allez devoir vous enfoncer dans la zone morte, encore plus loin que le camp de Moog qui se trouve sur la pente raide. Il se fera un plaisir de vous dire où vous aurez le plus de chances de trouver des squips. Gizmo le trouve un peu bizarre, mais très calé dans son domaine. Il sait tout sur les monstres et autres créatures.
On peut personnaliser le Mekton, grimper dessus, utiliser la touche. Appeler le monstre. Ouah, j'ai un Gundam! Je peux tourner sur moi-même. Le Mekton traversé des flaques de pétrole. Et vous pouvez en servir pour les drainer. Se faire approcher vous de la plaque et appuyer sur. Comme ça, je manque pas de carburant. J'ai déjà eu. Alors. Oh, personnalité. Ah oui, le torse. D'accord, si je trouve des trucs, je peux lui. Le Mekton de l'animo-mécano est bâti solidement, comme son créateur. Essayez d'imaginer à quoi cet endroit pouvait ressembler avant le raz-de-marée pétrodiluvien. Il fait tellement plus clair quand la nuit s'en va. Salut! Retenez bien votre souffle avant de continuer. Vous êtes sur le point de contempler le spectacle incroyable qu'offre la zone morte. Ouais. Quand il dit zone morte, rigolez pas. Vraiment. Ouais, donc je dois aller là-bas. Vous voyez là, c'est la pantraine, la falaise à laquelle Moog aime se suspendre. De retour sur vos pattes. Un peu de grimpette. Mais c'est Moog! Voyons voir. C'est tout. Il est impressionné de vous voir ici. Il pensait que vous seriez déjà 6 pieds sous terre. Peu de gens ont la chance d'être aussi courageux et brillants que vous.
prétend s'attaquer au gibier le plus dangereux, les monstres énormes. Mook dit que tout ce pouvoir est vain si l'on n'est pas prêt à prendre une décision au moment venu. Choisir qui tuer et qui épargner seront les décisions les plus cruciales que vous prendrez. Vous avez peut-être une bonne précision, mais vous devez choisir vos cibles avec attention. Dit qu'il est difficile de décider de la vie et de la mort des autres, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, sinon ils le feront eux-mêmes, et vous savez bien qu'ils échoueront. Prétend qu'il tue en général ceux qu'il n'apprécie pas. Dit que c'est génial de voir le monde renaître de ses cendres, mais il suppose que ça sous-entend qu'il y aura davantage de monstres à abattre. Se demande pourquoi vous vous acharnez à garder les choses en vie. Les balles permettent de faire le tri dans le troupeau. Dit que vous devriez cesser de collaborer avec ces entêtés de myriades. Ils ne cessent d'essayer d'éteindre leur lumière, mais ils n'arrêtent pas d'en allumer de nouvelles. Dit qu'elles éloignent les monstres, alors qu'il a besoin de s'en approcher. Bon, changeons de sujet, d'accord? Il dit que la nature, les animaux et tout le tralala se sont rebellés. L'instinct de survie a pris le pas lorsque le monde a changé. Il dit qu'il n'est plus entièrement convaincu de son végétarisme. Si la nature a changé, qui sait ce que cela a pu modifier dans la composition chimique de son corps? À présent, il a le sentiment d'être arrivé à un point où il connaît très bien les déplacements des monstres, petits et grands. Dit que malgré leur taille considérable, le monde reste encore plus grand. Pour découvrir où ils se trouvent, il vous faut d'abord savoir où ils sont allés. Mook dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il va falloir vous entraîner avant de pouvoir vous proclamer chausseur de monstres. Heureusement pour vous, il peut vous aider. Il comprend que vous ayez besoin de commencer petit avant de vous attaquer à plus coriace. Attends, il veut que je combat des monstres. Meilleur endroit pour commencer qu'une grotte de Squip. Éliminer quelques-unes de ces vermines devrait vous maintenir en forme. Dit que si vous vous mettez en chausse, les occasions de tirer viendront d'elles-mêmes. Bon. Vos poumons tiennent le coup? Eh ben, on va aller Ignote.
C'est là que se cachent les squips. L'endroit grouille de bestioles. Je comprends rien du tout. On se perdrait facilement ici-bas. Sentez ça? Il y a un danger biologique dans les parages. Fermé avec une serrure solide. Fermé, verrouillé, bouclé. Les émanations des déchets nucléaires sont alors remontées à la surface et un gaz volatile a infesté les bâtiments jusqu'aux structures de Toxanol. Ainsi, d'une certaine manière, ils ont causé leur propre mort. Ascenseur. Alors. Voilà. Allez donc faire sauter le couvercle de ce toxitone. Il va tout inonder et vous pourrez atteindre l'entrée en hauteur. Il y a rien. Oh. Les capes. Il y a par ici. Allez. Ça, c'est du bon matos. Elle ne vous échappera plus maintenant. Bon. Ah, un ascenseur. Alors, l'heure est venue de tracer votre propre chemin. Décider du sort de la créature. Garder la créature, tuer la créature, caresser et garder la créature.
On dirait qu'il faut tourner les interrupteurs pour envoyer une charge suffisante dans les conducteurs. Plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. L'air est... Ah, quel con ! Ça hérisse les poils sur la tête. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Quoi ? Oh, il y a un sou... électrique, ça hérisse les poils sur la tête. Qui là ? Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Blanc. Bien. Le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Un bambou. Il... Oh. Non, ça va, j'ai pas crochot. C'est nul! Ah bon, on fait ce qu'on peut. Pour un découpage en bonne et due forme. Aspigrulam. Ah, c'est la fameuse porte que je ne peux pas, d'accord. Où est-ce que vous comptez aller avec ce métalloméca? Quoi ça? Non, c'est que... Yep. Dans l'ancien monde, les routes comme celle-ci menaient vraiment quelque part. On retourne voir Gizmo. Alors qu'aujourd'hui, elles mènent invariablement à la ruine. On se sent seul ici. Même l'air est parti. Il dit que vous avez assez de squip pour fournir des munitions infinies aux canons griffes du Mecton. Bien joué.
ce n'est pas son invention la plus aboutie, mais elle fait le boulot. Servez-vous-en pour aspirer les flaques de pétrole sur le chemin du Mecton et dégager la voie. Gizmo a déjà fabriqué des véhicules pour affronter lui-même le Gigapouf. Sans succès, mais cette fois, c'est différent. Le Mecton sera de taille. On va peut-être affronter le Gigapouf. C'est ça le Gigapouf ? Ouais, quand même. Il est temps de mettre un terme aux agissements du Mangemonde. Sans quoi, il craint que l'arbre ne subisse des dégâts irréversibles. Il dit que ce n'est même pas la peine de songer à affronter le Gigapouf à pied. Croyez-le, pour ça, vous aurez besoin du Mecton. Il est encore temps d'améliorer le Mecton avant d'affronter le Gigapouf. Dans la zone morte, vous trouverez des caisses avec du matériel qui vous permettront d'équiper vous-même le Mecton. L'idée de construire un Mecton lui est venue quand il est tombé sur une grosse caisse contenant une armature en métal. Elle devait servir à un projet de toxanol, un certain exosquelette. Gizmo veut vous aider s'il le peut. Comprends que vous ayez d'autres miaou à fouetter. Vaincre le Gigapouf. Non, c'est pas ça. Ah. Il est où le Gigapouf ? Il est là. Sauf que moi, j'aurais bien été chercher des caisses de Mecton. Mais par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Savoir de l'ancien monde. Ah ouais, ça, on s'en fout. La radio fou. Et la chasse caca, on s'en fout. Je vais aller là. Voilà. Nous sommes des animaux solitaires qui passent leur vie à essayer de l'être un peu moins. Oh bon, on y va. On va le renforcer avant d'aller affronter le Gapou. De toute façon, je pense que c'est ça les. Comme t'es plus ou moins libre dans le jeu, ils disent bah tiens si tu veux ça, peux y aller ou alors bah tiens tu peux l'améliorer au max avec des caisses à trouver un peu partout. Imaginez un peu, au temps de l'ancien monde, on allait dans ce genre d'endroit. Servez un bon plat chaud. Cassez-lui les dents. Donnez le coup de grâce. Dans la tronche. Ah ah, baston. Avec un Mecton, c'est beaucoup plus facile. On ne peut pas toujours compter sur la technologie.
Ah oui, merde, je vais crever. Ansel. Vos poumons ne sont pas adaptés à un tel environnement. Hop, par contre, dès que tu rentres dans une structure... Zone terminée. Okay. D'accord, même si c'est une zone terminée, il faut quand même vérifier. Rester des choses. Masque à stabilité. C'est pas un. Désaffecté 2 à nous deux. C'est pas un masque à gaz, ça? Ça pourrait vous servir. Ouais, hein. Bon, allez. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Gictor. Ok, à très bientôt alors, repasse quand tu veux. C'est quoi ça? À bientôt. Ça fait plaisir de te voir. Alors, et ça on peut pas l'aspirer. On peut passer. Il y a un temps et un lieu pour tout. Et cette mégacité, elle a fait son temps depuis longtemps. Les bleus ou bien... Vous avez l'air d'un poisson hors de l'eau. Ok. Ok.
Alors, système, paramètres, audio. Ah mais il est déjà. On va le monter. Voilà, j'ai mis à fond. On entendra peut-être. Alors. Et si on entend trop, je le baisse. Là c'est tout cassé, je peux pas rentrer. Boom 7B est toujours là, ouvert et prêt à vous héberger. Vous avez morflé. Qui a besoin d'une arme? C'est bon, qu'est-ce que vous avez? Lâchez-lui le nez. Je vois que d'un. Au revoir. Pas complètement. C'est bon. J'ai morflé quand même. On a du mal à croire que tout ça existe. Des casques, des trucs, des machins. L'abri il est fermé. Là, c'est ouvert. Si. Ah, la clé à tube. Un pantalon de commando légendaire. On a trouvé un pantalon. Oh. Jupe évasée. Se réveille à l'aube. Ah, c'est fermé. On a fait le tour. Y aller. Non. Ah bah sa vie elle remonte toute seule. Alors.
Voyons voir. Alors. Voyons voir comment on peut remonter. Ah merde, je suis obligé de laisser mon robot là? Ça va être dangereux, non? Je vais voir si c'est trop dangereux, j'essaierai de le venir avec. Ces tas de briques sont des symboles de la croissance démesurée de l'ancien monde. Bouge, 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 bouge. Oh, il a repris toute sa vie, oh non. Voilà, je prends l'ouse dé, je me casse. Qui s'est envolé. Prenez votre temps, profitez de la journée. Allez, casse. On va essayer de récupérer le robot. Je suis sûr, je peux récupérer mon robot. Déploiement. Non, hein, il peut pas. Hein. Il peut pas monter. Regarde le robot quand. Bienvenue. Ah oui. Bien d'ici, je crois. Ouais, non, il faut que je...
Voilà. On va prendre le... Comment on l'avait appelé, la biquette? Ouais, bref. On y go. La monture ne vous a pas fait mordre la poussière. Ça va aller. C'est un peu... comment on appelle ça? Je dirais pas que c'est un peu chiant, mais limite quoi. Et ah oui, non, mais il y avait des monstres derrière. Une bonne estafilade. Personne ne peut résister à un coup comme ça. C'est qu'il est rapide, l'animal. Allez, on se casse. Alors, je le fais pour cet épisode-là, mais après... si on me redemande de faire ces choses-là, qui est fort probable, je le ferai en off. Si ça fait partie du jeu, c'est pas agréable pour vous. Je que ce l'est pas pour moi. Ah, quand je dis pas agréable, bah, il se passe rien, il n'y a pas d'histoire ni rien, c'est juste je cours dans tous les sens pour aller chercher des morceaux de métal, des morceaux d'armure. Bon, ça fait découvrir du pays quoi, mais pour vous, ça doit pas être. Ah. Voyons voir.
deux yeux. Alors, Ouh, c'était juste. Même les monstres, quoi, ils sont. Hop. Oh. Passer par là. Le logis, une petite grotte proprette. Il fait froid et humide sous terre. Oh, tête de dragon. Un déprimisateur, un ventilo. Oh, c'est quoi ça? Un cauchemar, ouais bah oui. Je veux bien le tout. Ah. Une. J'espère que vous entendez pas trop les voitures. J'aime beaucoup les... Pas mal. J'aime beaucoup les voitures de rallye. Mais... Pas quand je fais un live. L'obscurité recouvre le monde tel une couverture. On fait des...
Cache charbon. C'est grand ? Dis donc, de rien. Bon, j'aime bien fouiller donc. Ah, ça ramène ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça c'est un peu nul qu'ils ont une distance de... Un repli serait peut-être une bonne idée. Ouais, t'as bien raison, Wolf. Casse. On va retrouver notre robot. Donc vous voyez, c'est des trucs à aller chercher. Donc je le fais, comme je le disais, je le fais pour le premier... On se croirait dans l'antre d'un monstre. Je le fais pour le premier... pour le truc, là. Mais après, je le ferai en... Après, je le ferai en off. On croit que c'est fini, il y en a encore. Un ourson poney. 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 Un ucoproc. Waouh. Un mousse. Ça c'est pour les... Oh la précision. Et il est précis mais il n'y a pas de portée. Chargeur grosse boîte. Taille de chargeur 20. Taille de rechargeur. Ouais, va falloir que je crée un... Double cross. Va falloir créer un pistolet de ce nom, pas une arme. Bon, je préférerais un arc. Sur 14, ou bah, ça va être l'épisode du plantes sont rabougries ici. Ah, mais je pense qu'on va faire ça sur cet épisode. On va aller chercher les. La grotte. Comment on appelle ça ? Profonde. Il y a de quoi explorer.
C'est fini? Donc ouais, je vais, pour cet épisode-là, on va juste affronter le boss. En fait. On cherche les ces trucs-là. Histoire de le renforcer et puis grand pack des. Encore la tête cauchemar. Ça tangue un peu trop, mais il vous amènera à bon port. Et donc ouais, on va. Je vais récupérer ces morceaux là. On va affronter le boss. Je sais pas comment il s'appelle. Et puis, parce qu'après ça. Vous avez trouvé le bio-noyau 8C. Ces tours sont en partie responsables du déclin de l'ancien monde. Voyons voir. Mine de rien, on se rapproche du. What? Niveau 12! Attendez! Il y a des points à mettre! Votre résistance est. Alors, on va faire ça. En plein dans le mille. De rasoir. Ne prétendez pas que c'est une égratignure. Bien aiguisé. Voilà. Eh ben. C'est pas facile. C'est vomitogène. Oh merde. Cette zone est biocontaminée et très dangereuse.
Bon, je vais faire. De tout. Je peux longer le mur. Et que j'arrive, c'est la zone. Accessoires. Voilà. Non. Non, non, non. C'est pas un masque à gaz. Que c'était un masque à gaz. Gré gaz. Comment je peux faire? Et à pas très. Non, je suis tombé. Non. Ah. Plus assez d'air pour se plaindre du manque d'air. Oh non, je... J'aurais dû faire le tour par la droite. Ah, si je reviens là, je vais faire le tour par la droite. J'ai rien compris. On est tombé sur une nouvelle mécanique. Je croyais que j'avais un masque à gaz. C'est même pas un masque à gaz, c'est juste un masque. Pourtant, l'autre il a dit ça pourrait vous servir, donc regardez ces couleurs magnifiques qui reviennent égayer le monde. Voyons voir. Ah, je suis du ventre. Ah. Alors. Ouais, c'est déjà là. Ce bruit, trop bizarre.
Comment faire pour le... Si une histoire vous concerne, mettez-vous en scène. Voyons voir. Alors, comment je vais faire pour aller là-bas ? Ils m'ont pas... pas fait de tuto pour... Waouh! Les malandras, ils me tirent dessus. Là tout droit. Ah, en bas ça... Et j'ai activé celui-là. Ah non. Voyons voir. Décidément. Alors, oui, bah. D'accord. Là. J'espère que vous avez pris une grande inspiration. Regardez, il est là, bah, je vais faire ça. Hein. Et voilà. Sentez la puissance. Neuf sur 14. Allez.
flamme. Flamme vacille. Toi qui vacille. On se sent terriblement à l'étroit. Oh, trop mignon, choupi. Voilà. On va vérifier ce qui est. Alors, comme ça. Ah. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Mine de rien, j'aime bien ces petits. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Ah, il est reparti. Ah, ça m'a amené en haut, d'accord. Dangerous. Regardez. Ah oui, c'est là-bas. Y'a-tu ? Ah.
Voyons voir. Il ne reste pas grand-chose de ce que nous appelions autrefois notre monde. Oui, effectivement, je viens d'y penser. J'aurais pu prendre le... J'aurais pu appeler mon cheval. C'est vrai. Encore un de ces tas de briques de l'ancien monde. Ah non. J'ai plus... Prendre... Prendre ? Et quoi ça ? Un rocket bar. What? Mais jusque l'autre côté. D'ordinaire, les abris boom sont éloignés les uns des autres, mais pas ici. Regardez l'abri 7C2. Il est assez proche du 7C. Tant mieux si vous avez des vertiges. Ça veut dire que vous êtes en vie. Vérifions. Gilet rembourré marine. Wow. Un chat pilote. Et un tube. Un rembourrage de vélo. Ah oui. Pas l'appeler.
trombone H2O. Votre pied de biche n'est pas assez costaud pour forcer les portes. Y aller. Ah zut, faut que j'améliore mon pied de biche. Il n'y a que de l'air vicié ici. Inspirer. Et où? Alors on se casse. Allez. On a presque fini. Oh là! J'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est ça? Mais non, pas ça. Hein. Je vois passer. Je suis ici, là. Eh bien. Ça servira de leçon aux autres. Ouais. C'est vrai, ça servira de leçon. Ah non, donc c'est... Abandonner ce tas de ferraille. Tu jarrais. Comme quoi, l'air, c'est pas acquis. Voyons voir. J'avais dit, je fais pire. Allez. On est parti les amis. J'ai pris ma monture. Quoi ça? Mais non, laissez-nous. Va falloir que j'améliore mes armes parce que...
5000. Taillé dans le vif. Le plus dur est fait. Ça va laisser une cicatrice. Santé chancelante. Oh merde, j'avais pas vu. Taillez-moi ça en pièces. Voilà. Cet endroit baigné de sérénité est idéal pour vous reposer et reprendre vos forces. Ici, vous pouvez attendre le lever du soleil ou la tombée de la nuit. Je vais me reposer un peu pour voir ce que ça fait. Je l'avais jamais fait. D'accord. Pas le temps de t'asseoir, ami. D'accord. Voilà, je me suis. Il en reste 3 à faire avec celui-là, donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je vais tirer dessus. Racodrome, il vous tend les bras. Allez-y. Quoi, un racodrome? Il arrive à rentrer dedans. Où est l'entrée? Plus qu'une égratignure. Ça doit piquer un peu. Quel tranchant! Voilà. Cette histoire ira aussi loin que vous pourrez la mener. Oh! On peut monter! Un poignot? Oh là là, c'est quoi ça?
Ah. Pas que ça vous fait pas peur les squelettes. T-shirt de maniaque. Un pouf pan. Ah, je me disais aussi. J'avais cru voir un bonbonne d'H2O. Bon, allez. Grenier un bon coup. Ça devrait l'aider à passer à la vitesse supérieure. En avant. Allez, encore deux. Après, on construit le... On fait les meilleures pièces sur le robot. Enfin, sur le... Ouais, sur l'exosquelette, quoi, le truc. Et puis, après, on va affronter... mon machin, là. S'il te plaît. Voyons voir. On fait des points de passage. Ah mais je connais le cœur là, je crois. C'est pas là où... Si, si, c'est là où il y a les autres qui attaquent. Par contre, cette maison-là, j'y suis pas allé. Il suffirait d'une étincelle pour faire flamber ce tas de planches. Pas rentrer dans la maison. Filer comme le vent. Ça fait beaucoup. La bonne. Allez, courage! Plus que deux. C'est l'avant-poste Skipouk. La tribu Ankati s'y est établie il y a bien longtemps. Avant-poste.
L'avant-poste. Voyons voir. Ouais, voyons voir où on est. Et là. Wouah! Et là, le truc du mec tombe. Ah, je vais me téléporter. Hein. À Brieville. Comment il s'appelle déjà? Quand je monte de l'eau, Gigapou. Vous avertis qu'ils sont au courant de votre alliance avec une autre tribu. Se demandait si c'était vraiment vous. Ouais, de toute façon, je reviens. Ah oui! J'avais dit que je me téléporterais. Voyons voir. Voyage rapide. Oh, on va pas se refaire toute la route. Le machin, il dure... C'est super long. Excusez-moi. C'est le parc Cachemaillard. Les plus petits adorent ce genre d'endroit. Le monde vous réserve bien des surprises. Coupe, coupe. Des rondelles. Ah, quel con. Une victime à votre actif. Et voilà. Je voulais pas les tuer, je suis passé, les mecs m'attaquent. Ah, y a pas de physique. Dommage. Pardon. Je recommence, comment on fait pour aller en bas? Le masque vivant, biventilation habituel. Tac. Ils disent pas à quoi ils servent aussi. Pour quel environnement? Manque de détails. C'est un avant-poste de la tribu Myriade.
pas rapprocher. Vous avez pris un sale coup. Ah putain, il a cramé le con. Profitez pleinement de cette journée, d'accord? Attends, pourquoi? Ah, compris. Éclairer le monde. Ok. Pas le temps de parler avec tous les gens. C'est mieux que rien. C'est l'avant-poste Vespidut, foyer de longue date de la tribu Myriade. Vespidut. C'est ça que je cherchais. Voyons voir. Alors. 300. Le mieux avec ce moyen de locomotion, c'est qu'il consomme uniquement du phytocarburant. Et j'ai pas tendance. Non, ça pas le nom. Je lui ai donné qu'une fois du. Ah ok. C'est beau par ici. Non. Ah. Non, du phyto. Oh. C'est quoi ça? Des montures aussi? Bienvenue dans l'archipel des Salines, où le miroitement d'îles du Glou s'étend jusqu'à l'horizon. Déjà 6 pieds sous terre.
Ouais. Ne craignez rien. Elle ne vous mordra probablement pas. Encore un loco-tunnel. Attention aux locaux qui arrivent en sens inverse. Quel trésor. Ouah, c'est qui lui? Attends, viens, on va se battre dehors. Un duel. Faites attention. Continuez à lui taper dessus. Ça. Ah ouais, quoi, ah oui, oui, sérieux. Ah mais attendez. Un coup dévastateur. Moitié de votre vie. Ah, mais à chaque fois. Petit que je veux taper là. Histoire de me débarrasser de lui, voilà. Je peux m'occuper du gros. Voilà. Ah. Regardez cet électrodéchet. Sacré trouvaille. C'est pas facile. Pas facile à combattre. Ouais, non, mais je pense que... J'ai mes armes qui sont pas assez fort. Restez sur vos gardes. Waouh.
bourré de bonbons. D'après le plan. Enfin, d'après le plan. Le... Par là. Ah, il passe pas, il passe pas, il passe pas. Ah, il sait nager. Ah non. Ah non, en fait non. C'est la désillusion. Tu crois qu'il sait nager, en fait non. J'en profite, hein, je fais une petite pause. Une petite pause KitKat. Après tout, elle veut break, elle veut KitKat, mais ces aventures, ça creuse. Mine de rien. Il y a tellement de choses sous terre. Alors. On y retourne. Concentrez-vous sur votre objectif. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah oui, d'accord, le mec il est vraiment... Ça va laisser une cicatrice. Ouh, le skive. Vous avez pris cher. Thank you.
en souffrance. Bien ajusté. Non mais c'est bon. Et oh non. Cette histoire parle d'un héros ou d'une héroïne. Mais il est où? Ah oui, c'est vrai que je l'avais laissé de l'autre côté. Donc, hop. Elle est où? Excusez-moi, petit Kit Kat. Alors. Actuellement dans le charmant bourg de Charmipur. En pleine face. Problème réglé. Une bonne estafilade. Vous êtes à moitié en vie. Un ennemi intelligent tournerait gentiment les talons. Combat rapproché. Voilà. Faut que ça découpe, il faut que ça charge. Non mais dis donc. C'est quoi ce délire, les mecs qui viennent pour L'heure tourne. Ne gaspillez pas cette journée à ne rien faire. Et qui viennent pour foutre le feu? Parlez au monde de la tribulation. Le vendeur prétend que vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Mais le mec qui veut me vendre... Totalement. Le
Mec, il veut me vendre des trucs alors que son village il est en feu. Dit que le Sifu de la tribu les a envoyés ici pour les défendre contre la tribu rivale qui terrorise le village. Ne sais pas combien de temps le village va durer si tout cela continue. Comme si le fléau ruinant la terre et détruisant leur culture ne mettait pas déjà le village à genoux. C'est comme cela qu'on appelle la maladie qui a rongé cette terre depuis la fin tragique de l'ancien monde par ici. Le Sifu vous demande d'aider. C'est ce que vous devez faire. Affirme que Wiz est le plus grand bidouillateur du coin. Vous devriez vraiment essayer de le trouver. Se félicite d'avoir quelqu'un comme vous à ses côtés, partageant à la fois sa génétique et son karma au sein des myriades. Vous dit à plus tard. Le Sifu vous demande d'aider. C'est ce que vous devez faire. Ils ont besoin de votre protection et de votre aide pour restaurer le village. Le Sifu vous demande d'aider. C'est ce que vous devez faire. Comprends que vous ayez des choses à faire. D'accord, bah, le village il est ravagé. Il est temps pour vous d'aller voir la tribu Pichu. Dit que l'essentiel a déjà été dit. Bon bah bref. Sauter le bois pour le village. Ah oui, d'accord. Bon, on va faire cette mission là vite fait. Pas laisser le village sans. Le récup en bois est très utile dans la fabrication d'objets. J'aurais bien là-bas. J'aurais bien nagé, mais pas possible. Ah, c'est pas possible. J'ai aimé. Ouais. De l'électrodéchet, rien que pour vous. Il est temps d'entamer une nouvelle journée. Merde, j'avais cru voir un pont. Ah oui, j'ai bien vu un pont. Et... Ah, je vais mourir.
sais même pas nager. Je voulais changer un peu et puis... On va faire des détours et tout. Ah merde, c'est pas du... Dégueulasse. Ouais, voilà. Admirez bien ce spectacle, car il se fait rare. La faune est au bord de l'extinction, comme nous tous. Revoilà le carnivore. Rien ne semble pouvoir assouvir sa faim. Et si vous n'intervenez pas, cette biquette est condamnée. Forme. Ah mais non mais... Oh ! Vous vous sentez bien mieux. Ah oui, puis j'en avais un sur moi. On dirait que vous vous êtes fait un nouvel ami. Ouais. C'est toujours une bonne chose d'avoir du récup en bois à portée de main. Je sais pas si ça avance plus vite. Faut que si j'ai... Du récup en bois, le genre de récup qui continue de pousser en réalité. Yeah.
marcher à pas de velours. C'est un repère de monstres. Aucun doute possible. Ah, il faut des clés, je suis sûr. Salut, monstre. Waouh, tout là-haut, comment on fait pour monter? C'est la vie qui est en jeu, la vôtre et celle de tous les autres. Ce que je cherchais. Tiens, mais je l'ai cherché. Aller là-haut. J'aurais dû aller par là-bas. J'ai un bateau. Est-ce que je peux avoir un bateau? Là, il y a des bleus. C'est Bourpaf, un petit village accueillant. Ah, moi c'est par là. Voyons voir. Tout s'en remet au destin, le vôtre, le mien, celui du monde entier. Attends, je vais lire tout. Ah oui, mais non. Attendez. On va retourner là. Passage. Ah non, j'ai même pas fini. Oh là là, c'est pas... Voyons voir. Épée là. Pas ici, rien. Ouais, non, non, c'est bon. On fait le bois. On va chercher le dernier... le dernier truc. On s'occupe du robot et... Voilà. On s'occupe du robot.
Et puis on fonce voir Rokumoto, je sais pas comment ça s'appelle. On le défonce. On libère le peuple de ce. Allez, petit C'est un sous-salin, tout seul et tout vide, pour l'instant. Salin. Un sous-marin, ben. La vie nocturne est sur le point de débuter. Bien, comment on fait pour accéder au sous-marin? Il y a un trou. Michel pour monter. Bon. Il y a un sous-marin, mais on peut pas y aller. Là. Il me fait délirer quand il fait Schling parce que en fait ça me rappelle un film qui s'appelle Wayne's World. Alors je ne sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2. Et ils ont un truc quand ils voient quand les mecs croisent une fille qui est bonne. Ils font un geste en avant avec le pubis et ils font Schling. Et je suis une mort. Non, j'ai fait. Ah, voilà. Et ça, bah, quand il le dit, ça me rappelle ça. Ils font Schwing. Ah, j'oublierai jamais ce truc là. Parce que non seulement. Ouais, parce que j'aime beaucoup ce film. Les deux. Parce qu'il y a deux films. Et il y a le 1 et le 2. Et je l'ai fait. J'ai fait ce fameux chewing. Quand une fille passait. Oh bah, moi ça me gêne pas. Hein. De toute façon, je suis un peu beauf. Donc. L'eau a de si belles couleurs. Ben voilà. On va faire un voyage rapide. Je suis. Oh putain. Je me marre tout seul parce que je. Je revois le mec le faire dans le film et puis je. Wing.
Ah, j'avais oublié ça depuis tant d'années. Hop, je rapp... Ah non, mais je sais... Non, c'est bon, c'est assez de bois pour reconstruire un peu le village, je vois pas... Pas ça à chaque maison. A horreur de toutes ces nouvelles bestioles qui prolifèrent ces temps-ci. Difficile d'imaginer quel genre d'horreur se tapisse dans les moindres recoins. Heureusement, son ami Moog a entrepris de répertorier les pires d'entre elles. Sans doute qu'il se dit que quelqu'un doit bien le faire. Dit que Moog va partout où les monstres vont, mais comme il traque les Squeeps en ce moment, il est sûrement encore à la falaise de la Pentraide, dans la zone morte. Je sais, j'ai été le voir. Continuez à renifler les trucs qui fouettent et à œiller les trucs qui ressemblent à une tente. Moog appréciera la compagnie. La vie n'est pas toujours facile en présence de monstres. N'en doute pas, mais vous souhaite bon courage pour supporter son odeur. Et c'est n'importe quoi parce que le truc... Le truc c'est que j'ai déjà vu Moog. Il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire avec une fin inattendue. Voilà. A coupé le bois. Ouais, il me reste quoi? Il me reste une heure de tournage. Ah, de vidéo, de live, je veux dire. C'est nickel. On trouve le dernier morceau. Ne doute pas du fait que vous ayez obtenu la confiance et l'aide de ce village. Les actes surpassent les mots. Bon travail. Et toujours d'accord pour écouter. Vous avez fait du beau travail ici. Vous dis à la revoyure. Ah là, on a fait l'audit. Je comprends pas. C'est quoi ça? C'est bizarre. Regardez, m'éloigne. Une loupe. Vous risquez de tout perdre. On s'en fout, allez, on fonce pour le truc du mecton. T'es où, dernier mecton? Il est là.
tête capu. Waouh. Le plague à gros ours, il vénère. Et maintenant, on peut aller vaincre le gigapou. Gigapou. On va faire un voyage rapide. On va améliorer le robot. Et puis, on affronte le gigapou. Installez-vous confortablement. Alors. Il a atteint un niveau de cascassitude critique. Oui, normalement, c'est juste ça, d'accord. Canard est pas mal, mais il y a le dragon. Est pas mal. Oh, le canard. Ah. Ah, je suis même pas obligé. En fait, t'améliores pas. Ouais, mais on le voit pas dans le dos. Nul. On voit pas les trucs dans le dos. On met ça, hein. Oh là. Par contre, j'avais pas vu. Tchac.
C'est le même. En or. On va mettre. La nuit est là. Tenez bon jusqu'à l'eau. Bon, allez. On va aller affronter Tétapou là, je sais pas comment il s'appelle. Non. Mais non, c'est pas par là. C'est ça, Gigapou. La tanière de Gigapou. Par contre, ça me fait chier, il fait nuit. Affronter dans la nuit. Allez, on affronte Gigapou. Désolé, j'ai éternué. J'ai coupé le micro, mais. Comment il est grand, Gigapou. Passé. Ce Gigapou a les crocs. Pas de sentiment. Il faut l'éliminer avant qu'il dévore le monde entier. Et vous avec. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Merde! J'ai fait une connerie! Le Gigapouf est en colère. Il passe à la vitesse supérieure. Il y a de l'électricité dans l'air. Il se met à pleuvoir! Je lui envoie des petits monstres. Bon là, faut esquiver ses boules. C'est là, normalement, si je fais pas le con. J'ai un mauvais pressentiment qui me. Voilà, tout à l'heure, j'ai vu qu'il. Retourne l'estomac. Oh! Il nous a avalé! Ah! Quand on se prend pour un amuse-gueule, il ne faut pas s'étonner de finir en digestif. Vous approchez dangereusement du boyau final. Remontez le courant, regardez-vous. Un beau petit caca sur pattes. Après une sortie pareille, pas le choix. Il faut re-rentrer tout de suite. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, faut recommencer. J'ai pas compris. Ah non, fallait que je ressorte par sa bouche. Ouais, mais comment on fait? Comment fallait que je fasse? Approchez dangereusement du boyau final.
remontez le courant ou vous ressortirez les pieds devant par les voies naturelles. Wow, c'est un style de porte gigantesque. C'est le plus grand que j'ai jamais vu. Vous voyez, c'est la beauté intérieure qui compte. Le cœur du sac à viande est déjà en train de s'emballer. Finissons-en. L'ami Gargantuesque est au bord de la tachycardie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'il faut faire cette action au cœur. Allez, bientôt mort. Bam! Alors, le combat se termine dans la joie, l'allégresse et le vomi. C'est ce qu'on appelle un final héroïque. Oh! On l'a vaincu, mais. Dégueulasse. Ah bah, le truc, il est cassé. J'ai cassé notre robot. Mais on l'a eu. On a vaincu le premier mange-monde. Comme ça. Rockmou, non. Gigamou. Il vous remercie d'avoir éliminé le premier mange-monde. C'est un bon début. Vous devriez aller à la rencontre du fossile pour en apprendre davantage sur la machine qu'il a baptisée l'Arche. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'aurez donc aucun problème à faire en sorte qu'il partage ses informations avec vous. Il est persuadé que vous savez où se trouve le fossile actuellement. Il a toujours vécu au pied de l'arbre et n'a jamais bougé. Gizmo trouvera toujours le temps pour vous. Trouve que Patte Verte est vraiment incroyable. Sa grotte n'est pas facile à dénicher, mais ça en vaut la peine. Se souvient de vous, enfant, comme quelqu'un de discret. Se félicite de voir que vous avez surmonté cela. Sera là quand vous reviendrez. Gizmo trouvera toujours le temps pour vous. Comprends que vous ayez d'autres miaou à fouetter. Alors, nouvelle case. Retournez voir le. OK. Et puis là, je vais aller voir jusque là-bas. Vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a affronté le premier boss. Qui était... excusez-moi, qui était fort sympathique. Et donc, du coup, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Excusez-moi pour cette phase un peu longue.
Je me promène dans. Enfin, je me promène, je vais tout partout pour aller chercher des morceaux de pièces. Je sais pas comment je ferai la prochaine fois. La prochaine fois, je verrai bien comment je vais faire. Donc. Bah non, en plus, c'était que de la cosmétique. Donc. Au prochain coup, on ira directement affronter le boss, quoi. Donc, merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Et à ciao, les amis.